ceux qui seront transpercés par l'énergie de l'ego psychique auront incontestablement une capacité créative qui leur assurera éventuellement une survie sur le plan matériel au-delà des conditions de vie qui pourraient s'abattre sur l'humanité si l'homme ne réussit pas à corriger ses tendances à l'autodestruction. L'ego psychique, la synergie de l'homme, pour lui bénéficier, doit être canalisé sans obstacle égoïque, sans barrière psychologique, sans restreinte émotive et sans conditionnement de la part de l'énergie de l'âme ou du désir inconscient qui vient d'elle. L'ego psychique ne peut se faire valoir à l'ego de l'homme qu'en fonction de son pouvoir créateur. Il ne peut se faire valoir qu'en fonction de la possibilité à l'ego planétaire de l'intégrer parfaitement, sans subjectivité, sans réflexion aucune. Et ce n'est qu'avec le temps que l'homme découvre s'il y a en lui de la subjectivité ou de la réflexion. Ce n'est qu'avec le temps que l'homme découvre s'il y a en lui un désir subtil quelconque qui naît de l'activité karmique de l'âme. L'ego psychique, l'ego réel et sans voile, c'est la conscience du surhomme de la nouvelle évolution. L'homme de la Terre n'a entrevu qu'une partie de sa réalité. L'autre partie lui est cachée jusqu'au jour où elle lui sera rendue réelle et totale. L'ego psychique est en train de se développer aujourd'hui dans le monde et le temps est venu pour que l'homme ou les hommes des différentes races et des différentes origines prennent conscience de l'universalité de cette conscience, de cette mutation qui annonce l'arrivée dans le monde au cours de la prochaine génération de forces intelligentes qui élèveront la conscience de la Terre et assureront une continuité dans l'évolution de la planète, malgré les tendances naturelles des forces décadentes à l'autodestruction. L'ego psychique deviendra la mesure même de la nouvelle conscience, alors que par le passé, cet ego psychique n'était pas connu de l'homme, excepté de quelques privilégiés qui s'étaient tournés vers les sciences plus occulte pour en étudier les propriétés psychologiques et vibratoires. L'ego psychique ou le psychisme humain est une très grande force dans l'homme qui peut être utilisée pour le bien ou pour le mal selon l'orientation de l'esprit de l'homme. Mais le nouvel esprit de l'homme, l'ego psychique de la nouvelle évolution, sera suffisamment intégré, c'est-à-dire rendu intelligent vibratoirement dans l'ego, pour qu'il soit utilisé pour le bien de l'humanité et la correction des abus qui risquent d'aliéner la Terre et de détruire la planète. L'ego psychique est une entité réelle de l'homme, c'est-à-dire qu'il peut se déplacer à volonté, en dehors du corps matériel de l'homme, et prendre forme là où l'homme le désire, pour quelque raison que ce soit. C'est pourquoi l'ego psychique de la nouvelle race racine sera la garantie de l'équilibre entre les forces de destruction et les forces de construction sur la Terre. La Terre n'appartient pas à l'homme matériel, elle appartient à l'ego psychique de l'homme, et cet ego aujourd'hui est prêt à prendre possession de sa planète. Car, au cours des siècles qui viendront, la Terre retournera à l'esprit. Lorsque l'ego psychique aura pris possession de la Terre, la guerre et la destruction seront éliminées de sa surface. L'homme matériel ne peut éliminer la guerre car elle fait partie de l'activité de certaines forces inconscientes en lui qu'il ne peut contrôler car il n'en est pas conscient. Lorsque l'ego psychique de l'homme, d'un certain nombre d'êtres humains, sera libéré de l'enveloppe charnelle, les forces de destruction dans l'homme ne pourront plus l'utiliser à leur fin, car elles seront neutralisées à la source, c'est-à-dire dans la partie dite invisible de la réalité.
C'est là que se fera sentir la puissance des nouvelles forces créatives de l'homme. Ce qui nuit le plus à l'évolution et à la manifestation de l'ego psychique, c'est la nature même de la pensée humaine. L'homme a tendance à penser en tant qu'être raisonnable, au lieu de voir les choses telles qu'elles sont dans leur réalité suprasensible. L'ego psychique, c'est l'homme sans le support de la matière. Donc, c'est l'homme dont la conscience doit être coordonnée à une structure égoïque qui lui permet de transposer en termes d'irréel ou sensoriel ce qui est supraréel et suprasensoriel. Voilà ce qui rend la réalité si difficile à définir pour la plupart des hommes de la Terre qui font encore partie de la vieille humanité. La mort a toujours empêché l'être humain de contrôler son évolution, car elle bloquait la relation entre l'ego psychique et le mortel, en lui soutirant la continuité de conscience dont il avait de besoin pour voir au-delà des illusions profondes du monde de la mémoire, qui est le monde de la mort, le monde où évolue l'âme après qu'elle soit retirée du corps matériel. C'est le monde de la mort ou de la mémoire qui empêche l'homme de reconnaître la continuité de sa conscience. Au-delà des murs de la matière, l'homme a l'impression qu'il doit être mort pour être conscient, lorsqu'en fait l'homme, qu'il soit mort ou qu'il soit emprisonné inconsciemment dans la matière par les forces de l'âme, demeure inconscient. Mais le temps n'était pas encore venu pour que l'homme puisse reconnaître son égo-psychisme et cesser de s'interroger sur son origine dite spirituelle. Tant que l'égo-psychisme de l'homme était lié à un niveau ou à un autre de sa spiritualité, il lui était impossible de reconnaître sa propre réalité, car son égo-psychisme était coloré par toutes sortes de formes, d'images, d'illusions, qui lui faisait croire en un au-delà sereinement différent du monde de la matière. Lorsqu'en fait, cet au-delà n'était réel qu'à la mesure de sa propre illusion, c'est-à-dire qu'à la mesure de la mémoire subjective de l'homme. Comme tout ce qui est vivant, l'homme évolue, mais une grande force jaillit de lui lorsqu'il reconnaît que sa vie présente, sa vie inconsciente, est une sorte de mort vivante. C'est alors qu'il prend graduellement conscience des forces cachées en lui, qui deviendront demain la manifestation de son égo-psychisme. L'égo psychique de l'homme marque la nouvelle époque de l'évolution de l'intelligence supramentale. Il marque la différence entre la vieille et la nouvelle humanité. Il marque le point dans le temps où les structures de l'ancienne civilisation judéo-chrétienne seront remplacées par une nouvelle force générée à partir des centres sensibles de la nouvelle conscience. L'égo-psychisme représentera pour l'homme la domination de la matière par son esprit et le contrôle des forces subtiles de la vie par sa volonté. Quelle que soit la nature de la prochaine évolution, elle créera un élan nouveau qui générera du neuf sur la Terre. L'égo-psychisme, c'est la nouvelle dimension de la conscience humaine. C'est la nouvelle porte à travers laquelle l'homme passera pour connaître les secrets de la vie, de la Terre, du cosmos. C'est à cause du développement, ou plutôt de la manifestation de l'égo-psychisme, que l'homme de la vieille humanité croira que la Terre est enfin sous la surveillance des dieux. Car l'être humain croit encore au Dieu. Il est encore prisonnier des vérités incomprises. Pourtant, ce sera l'homme lui-même qui fera surgir des profondeurs de son psychisme les forces dont il aura de besoin pour élever la conscience de la Terre. Ceci ne veut pas dire que l'homme ne travaillera pas avec d'autres formes de vie, mais ceci veut dire que lui-même fera la gestion de sa propre évolution. L'égo-psychisme versus l'ego voilé. C'est la différence entre la vie matérielle et la vie moroncielle. C'est la différence entre la vie morte et la vie réelle de l'avenir. L'être humain doit pouvoir puiser
à l'intérieur de son propre psychisme, et ceci ne lui sera possible que lorsqu'il aura osé faire éclater toutes les formes de sa mémoire afin d'en libérer l'énergie créative qui lui donnera accès aux profondeurs de lui-même. L'égopsychisme, c'est les dimensions nouvelles de la conscience humaine qui renouvellera le lien entre l'homme et les intelligences supérieures. Ce lien sera renoué lorsque l'homme lui-même aura le pouvoir de toucher du doigt la grandeur de son esprit et la grandeur de leur esprit. Mais la grandeur de leur esprit touche de près la grandeur de l'esprit de tous les hommes. C'est pourquoi l'égopsychisme doit être parfaitement manifesté pour que les hommes de la terre en bénéficient, même s'ils en sont inconscients. La manifestation sur la terre de l'égopsychisme, c'est la manifestation de la pensée supramentale, nettoyée totalement des influences de l'âme, au stade où nous en sommes aujourd'hui. Mais même la pensée supramentale évoluera pour devenir un jour une énergie créative puissante. Tant que l'être humain n'aura pas souffert le psychisme de son ego, il n'aura pas d'idée de l'égopsychisme, car il n'aura pas senti la pression de sa présence. La mémoire de l'homme fait partie de son égopsychisme, mais cette partie de son égopsychisme ne lui appartient pas. Il appartient, ou plutôt elle appartient à l'humanité. C'est ce que nous pouvons appeler l'inconscient collectif. Lorsque l'homme est dans son égopsychisme parfaitement, il n'est plus lié à l'inconscient collectif de l'humanité. Donc, il a le pouvoir de visiter tous les plans de la mémoire et ne pas être prisonnier d'eux. Ceci lui donne le pouvoir de découvrir l'infinité, c'est-à-dire la réalité des mondes au-delà de la mort. Dès que l'homme peut découvrir la réalité des mondes au-delà de la mort, il est libre, c'est-à-dire qu'il est créatif dans son esprit. Il ne peut plus être influencé par le passé, par la mémoire. C'est un être de l'avenir. Il est un être de lumière. Il est dans la lumière, car dans la lumière, il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas de mémoire dans la lumière, car il n'y a pas de mort, d'astralité. Il n'y a pas d'âme, il n'y a que de l'esprit. Dès que l'homme vivra de son égopsychisme à l'état pur, perfectionné, il pourra comprendre et expliquer les mystères de la vie, et il verra que les mystères ne sont que des voiles qui font partie du monde de la mort pour empêcher l'homme d'être libre, c'est-à-dire créatif dans son intelligence. Expliquer les mystères est aussi simple pour un être dans son égopsychisme que peut l'être un jeu d'enfant. Car, libéré de la mémoire, il n'a pas à en supporter le fardeau, c'est-à-dire qu'il n'a pas à en être affecté dans son émotion, qui est la porte à travers laquelle passe l'esprit de la mort, c'est-à-dire la force de l'âme, pour arrêter ou faire obstacle à l'intelligence créative occulte de l'homme. L'esprit de la mort ou la force de l'âme étant l'action ou l'activité d'entités dans le monde de la mort qui œuvrent contre l'homme, car elles perçoivent que l'homme est plus libre qu'elle-même et qu'elles peuvent se libérer à travers lui, ce qui est leur illusion ultime.